J'y vais alors. Non, 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 tu viens avec nous et quand tu seras dispo, tu lui enverras un petit message. Ok, allez. C'est parti. Direction Sandy Shore, mec. On va aller voir l'éclipse là-bas avant. Sandy Shore. Tiens, vas-y, tu sais quoi, occupe-toi du GPS, fais ton truc. Tous la ceinture, Marco aussi. Ouais, c'est fait. Je vais prendre l'autoroute. Et du coup, Léonie, il faudra bien leur expliquer le pourquoi du comment, quoi. C'est. On les a avertis une fois. Ils ont pas voulu. Et bah, tant pis. Exactement. Ils y réfléchiront à deux fois, du coup. Ils vont dire, ouais, mais c'est eux qui nous ont contactés, et même. Ça n'empêche pas que tu réfléchis et tu dis non. Étonnant. Du coup, faut péter un truc à quelqu'un. Putain, mais t'es vraiment défoncé, mec, toi, c'est pas possible. Non, mais je. Quoi? Il faut vraiment péter le truc là, parce que là, je suis chaud là. Regarde bien mon canon dans ta gueule, là. Réveille-toi, mec. Ouais, non, réveille. Non, 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 mec. Moi, je te le dis. Faut que tu me dises, faut que tu me dises. Débouche-toi les oreilles. Moi je lui pète sa jambe, je m'en bats des couilles. T'inquiète. On dirait que t'écoutes pas quand on parle de toi. Non, c'était vraiment pour être sûr. Et jette ton jambe par la fenêtre, c'est bon. Ouais, ouais, jette-le par la fenêtre. Non, 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 non. Juste en arrivant à 4h15 là. Et depuis j'en ai pas fait, mais. Je me demande si. Ça me paraît bizarre quand même qu'on doive monter si haut là. C'est qu'ils flippent sûrement de nous croiser dans le sud. C'est ça, c'est ça. À mon avis, je pense qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de risquer. Non, mais d'ailleurs, ça c'est possible, c'est ce qu'ils vont dire. Ouais, mais on est pas en train de vendre dans le sud et tout, machin. C'est ça. Ouais, tu leur dis, tu te fous de ma gueule, t'es en train de faire monter nos clients là-haut. Ouais, clairement, faudra que tu leur dises ça, Naissant. Quoi? Bah là, ce qu'ils vont nous dire sûrement, c'est ouais, mais là, on n'est pas dans le sud et tout. Donc on leur a interdit. Ouais, mais c'est pareil. Ouais, mais l'éclipse, faudra bien que tu leur expliques ça, sud. Que l'éclipse, c'est déjà du monde du sud, c'est pas du nord, on est bien d'accord. C'est ça. Ah, la voiture bleue. Ouais. Où est les bouilles? Claro. Ok, je vous mets le poids là sur votre GPS. Vas-y, vas-y. Hop. Elles sont déjà là-bas? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, à 200%. Comment on agisse? On vous laisse parler tranquillo et on débarque c'est ou... C'est ça. Oui, oui, oui. Oui. Et radio en commune. Ok. On va se mettre, attendez. Je sais pas, on se dit 90, ça vous va? Vas-y, vas-y. Vous avez entendu les boys? 90? Ouais, 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 c'est bon. C'est ouais, radio. Oui. C'est bon, je t'accorde. Oui, oui. Oh, ok. Au pire, je sais pas, vous essayez de nous donner un signal pour qu'on arrive, je sais pas, oui, discrètement, tu vois, genre, un petit coup de. Tu vois, un fuck truc comme ça, way, tu vois. C'est beau, t'inquiète. Vas-y, fuck the way, voilà, t'inquiète. Ok, ok, claro. Fuck the way. C'est bon, tu sais où c'est? Ouais, ouais, c'est. À l'aérodrome. Attends là, attends, ah, là, ouais, attends, ouais, là. Attends pas trop près de. C'est à combien de mètres? Et vous faites pas. Oh putain, plus c'est le brouillard, c'est nickel ça, les boys. 900 mètres. Ok. Non, on va attends, rester attends, un peu plus loin, ça. T'inquiète. Reste là, garde-toi à gauche. Vas-y, vas-y. Ou à droite. Ouais, on est peut-être un peu loin quand même là, non? Ouais, faudrait qu'on soit au moins à 500, 400 ouais. mètres quoi. Ouais. Vas-y. Doucement, ouais, il y a du brouillard, ça qui est bien. Ouais, c'est carré. Oh, c'est pas bon, sur la radio aussi.
Bon, les braques directes, hein, on est d'accord. Ah oui, non, mais c'est sans pitié, là, y'a aucune... Et si ça tire, on tire direct, mec. Le premier qui a un état d'âme, c'est moi, je lui mets un coup. Ouais, c'est pas con, ils vont pas tirer direct quand même. Ah, te rapproche, mec. Garde-toi à gauche là. Ah, mais je vais dans les buissons. Ils ont quand même pas de couilles, ils font ça tout de suite à côté de chez eux, tu vois. Ouais. Et sauf qu'ils aient plus de couilles avec une orga fournisseur qu'avec un grog. T'as ton arme en main, Tony? Ouais. Ah, ok. Bah, pétez vos fenêtres, préparez-vous. Tony, attends, t'es de quel côté? Ah, merde. T'es du mauvais côté. On va les braquer direct de la bagnole. Direct. Au sort de. Tu sors. Même, t'arrives dans la bagnole, tu leur dis baisser les armes. Tu hurles en fait. Tu hurles. T'es pas obligé de sortir. Crie, ouais. Tu hurles. Et dès que tu arrives, tu braques par la fenêtre, tu dis. We should. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je sais pas, ouais, comme ça. We should. Hey, fuck, three-way. Go. On arrive. Ils sont là. Non, c'est pas eux. Non, ok. Putain, j'ai trop balayé. Dedans. Vas-y, droite. Tu le vois, coureur. Braque. Stop, vous bougez, on vous tient. Branche ton couteau. Jette-le. Vas-y, va avec tes autres. Lève tes mains. Toi, sors et lève tes mains. Tu comprends pas quoi? Tu sors et tu lèves tes mains. Reviens. T'approches pas, on a pas d'armes, boy. Reviens ici, arrête de bouger. Viens, on reste en arrière, nous. T'es sûr, tu veux jouer à ça, tu veux jouer à ça. Ah, mais attends, mais à tout bobo, y'a plus de business entre nous, hein. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. T'es sûr, ok. Y'a plus de business. Enlève ton masque, allez, ton masque. Allez, j'enlève ton masque là, allez, plus vite. Enlève ton masque. Ok. Attends, il prend une photo, enlève ta photo. Okay. Prends une photo de lui. Là, ils sont bloqués dans la hangar. Hein. Ok, prépare-toi de prendre un otage. Ok, prends l'otage, bouge pas, l'otage. Braque-le, il y a le plan. Écarte-toi, bouge pas. Allez. Ouais. C'est que là, t'es dans la merde là, t'es dans un gare bloqué. Écoute. Attends. Écoute, moi ce que je te dis, c'est que là, t'es bloqué. Écoute-moi bien, j'ai pas confiance en toi. J'ai plus confiance au O'Neill qu'à toi. Ouais, mais si je le bute, je vous bute, vous tous. Je pourrais peut-être prendre son. Vous tous, toi, et les détroits. Son arme, comme ça, ça peut vous aider. Sache-le. Ah, c'est. J'ai pas d'arme. C'est pas con. C'est, regarde dans ses poches, c'est un truc. Parce que moi, si j'ai une arme. Si, ouais, j'ai les armes blanches, mais j'ai pas d'armes. Il a un poids américain, ma 7. Sir, tu vas prendre sa machette. Ramener sa machette. Ok. Je prends ce ça. Et je suis désolé, mais c'est pas bon de pain. Je prends juste du pain. Et qu'est-ce qu'il te dit que tu me mets au cravard? J'en mange un peu. Sir. Tac, j'en mange un peu. Mais attends, vas-y, je te les redonne. Tu vas dire à ton gars qu'il baisse son arme. Attends. C'est bon, prends-lui. Allez, prends-lui. C'est bon. Non, on fait rien avec lui, on se barre avec lui. Ouais, je parle. Fais un geste, dis à tes boys là, il faut un truc, on te déchire le crâne. Attends, mais tu vois, j'en ai... Ouais, tu peux le prendre là en otage. Non, en fait, non, c'est bon.
Ouais, mais je suis en business avec eux. Mais s'ils meurent, c'est pas mon problème. Mais sauf que si tu les butes, moi je te rafale. Attends, toi et prends-le en otage. Prends-le en otage. Tu peux le prendre en otage. Déjà, hein? Je veux dire. Attends, mais il fait quoi lui? Pourquoi il avance? Tu peux le prendre en otage. Attends. Vas-y, avance. Dis, il avance, il y a le but. Il avance, il y a le but. Tout ça, t'es où, tout ça? Dans ça, reste pas, on reste pas comme ça. Essaye de te mettre derrière véhicule au cas où, parce que eux ils sont déjà en position. Ils ont deux calibres, attention. Prépare-toi à le prendre en otage. Prépare-toi. Oh, prépare-toi. C'est bon, t'es prêt? Attends. Au pire, il peut appeler le gars là, qui a la car. Je prends la côté. Tu vas monter, tu vas monter. Attends. Non, monte pas. Attends, on va rien faire là. Il casse tes coups de visée lui. Il faut qu'on se barre. Hein. Oh, appelle le gars là de hier soir. Non, il me paraît que je veux pas le viser. Oh. Non, t'es quand même vie, je veux pas t'appeler. Appelle le gars. Dis à ton gars et dis au détour qu'il baisse son arme. Allez, si tu veux parler, dis qu'il baisse son arme. Oh, là t'es prêt à le prendre. Ouais, baisse ton arme si tu veux parler. J'en ai rien à foutre. Vas-y, je baisse son arme et vous bêtez. Non, allez. Non, le gars derrière il me braque. Allez, tu me braques pas quand? Vas-y, baisse ton arme vite fait. Oh. Ça, baisse ton arme. Appelle le gars d'hier soir, Galaka. Appelle le gars d'hier soir. Ouais, on peut parler ici. Ouais. On peut parler ici, vas-y. Je t'écoute. Ce que je comprends pas, c'est que t'es des audibles, Peut-être des D3. J'ai pas les D3. Et pourquoi ils sont aussi? Mais c'est le business où c'est que le O'Neill, hein? C'est. De quoi? Vas-y. Écoute-moi. Maintenant, vous allez nous laisser partir tranquillement avec le petit Détroit. Et voilà, bah vas-y. Voilà, du coup, c'est bon. Bon, vous donnez un O'Neill et c'est le Détroit, mais on veut. Non, on veut le Détroit. On veut le Détroit. On les garde. Si tu veux un O'Neill, on te donne le gros port. Par contre, tu vois, mon gars, il revient. Non, attends. Tu donnes le gros port, tu nous donnes. Écoute, moi, le gros port, je m'en bats les couilles. Moi, j'y vais un Détroit. Là, il y en a un, c'est tout. Parce que. Il y a des petites questions. Parce que donc t'as pas dit bon, c'est pas grave. Des petites questions de quoi? Tu fermes ta gueule. Attends, mais tu crois que t'es en position de force là? Mais les détroits, c'est pas toi, je parle aux détroits. Les O'Neill, on s'en bat les couilles. Clairement. Attends, mais t'as vu, t'es où? En fait, t'es enfermé dans le train de roue là. Tu peux te cacher de nulle part. Donc maintenant, soit tu libères les trois nids, je libère ton gars et on part les deux, ou sinon ça va pas être en bonne sens, je te le dis directement. Je te dis quoi, vas-y. T'es sûr? Oui, il est là qui t'attaque là, tout ça avec qui t'attaque là. Il joue avec mes couilles, hein. Tout ça à qui tu t'attaques. Oh, mets-toi en garde derrière le véhicule, hein. T'es sûr? Mets-toi à couvert. On fait quoi là? Tu bouges, t'es mis une balle. Tu vas. On va faire. Regardez. Vous montez tous dans les coachés. Lui, tu le gardes en otage. Hein. Allez, montez dans le sous-temps. C'est qui roule? L'O'Neill, mets-toi en passager. L'O'Neill, mets-toi en passager. Toi, mets-toi quand. Ouais, voilà, comme ça. Vas-y. Horatio, tu te mets derrière l'O'Neill. Vas-y, allez, go. Derrière l'O'Neill, Horatio. Oh, ta grand-mère. Derrière l'O'Neill. Derrière. Tu le gardes, lui. Il fait quoi? Oh, il regarde, allez. Horatio, monte derrière. Ta grand-mère la pute va derrière. Trop des putains, va. Super. Non, voilà. Ronil, tu te mets, tu montes pas. Tu te prépares à monter, de toute façon, c'est ça. C'est beau comme ça, c'est beau. Allez, vas-y. 3, 2, 1, monte. Allez, go, montez. Allez, montez. Monte. Allez, monte, Ronil. Pas de la tirer. Super. Mais pour les autres, c'est trop beau, moi. Je vais appeler le business là. Allez, on se barre. T'inquiète pas que t'es frangin. Hein. T'inquiète pas. On a son gars, il va bien faire. T'as des armes chez toi ou pas? Moi, pardon. Non, parce qu'en fait, il y en a une, elle est tombée de la poste. Moi, c'est ma tête qui volait à l'autre. Mais sinon, lui, il a un toit américain. Mais tu fais quoi là? Pourquoi on va là? T'inquiète. Ah ouais, dès qu'ils sortent, ah c'est pas con ça, vraiment, c'est ta
Il va appeler le gardien, hein. Il est quoi? On verra, ils vont partir. Ouais, c'est bon. Ouais, là, tu sais que je suis parti avec le mec du 2-3 là. Attends, mais si tu t'en bats les couilles d'eux. Ouais, mais sauf que. Dis-lui le droit de répondre au téléphone, s'il te plaît. Ouais, mais dis-lui de répondre au téléphone. Ouais, mais dis-lui de répondre au téléphone. Ouh. Allez, faut qu'on questionne là, faut qu'on se barre avec lui. Vas-y. Alors, allez, faut qu'on se barre avec lui là, putain. Tu vois ce doigt, espèce de droite de merde. Ah, faut qu'on se barre avec lui là, putain, on a des questions à lui poser. Oh, les boys, il y a une tonne de mètres là, viens avec quelques mètres là. On va tirer de loin. C'est quoi là? On va tirer? Non. Le O'Neill, ok, regarde, t'as pas d'arme, t'as une machette? On est pas. Ouais, c'est pas cette. Je vais te déposer à ta maison, tu le gardes en joue. Non, il le garde pas, non, c'est nous, on va le garder. C'est nous. Non, c'est nous. Mais on va les rejoindre, les O'Neill, on va les rejoindre. On n'a pas le choix. Ok, et bah il y a les ligotes alors. On le fout dans sa maison, ligotes. Sa grand-mère. Pourquoi t'es frangé, je vais les manger. Hein. Ouais, du coup, ils ont résisté à le carnet, c'est ça? C'est toi. Et après, vous allez faire quoi, vous? C'est, t'inquiète pas, on va y aider tes frangins. De toute façon, là, on va ligoter. Ouais. Et si tu me dis de le tuer, tu le tues. Hein. C'est. Ouais. C'est toujours la même radio de toute façon. Ouais. Oh, d'ailleurs, toi, on te prend tous tes armes, ta radio, ton téléphone, on te prend tout. Ouais, on prend tout. Moi, c'est prendre tout pour Américain aussi. Mais menace-le bien avec ta machette. Hein. Attends, ouais. Je le rentre avec lui. Pas qu'on se pète, mec. Mais là, c'est une caisse qu'attend qu'on sorte. Enfin, allez, viens. Okay. Ils vont nous péter dès l'aérodrome. Ils sont garés juste derrière le hangar, ils croient, on les entend pas. Mais ils sont. Allez, ta grand-mère. Ouais. Nous on va bouger de l'autre de tout au fond, ok. Vous partez, ouais, par contre, vous tapez une grosse qui est droite comme bout, ça, hermano. Si. Ouais, on va descendre. Ah ok, claro. Va y de la rendre il y a un jour. Là, on descend. Tu vas à gauche, puis après tu descends. Aïe. C'est vraiment con, hein. Dis-moi, c'est quoi le nom de ton fournisseur? Moi? Ouais. Je sais rien, bro, je suis juste un putain de nom de... Allez, déshabille-toi, tout de suite. Déshabille-toi, écarte-toi, déshabille-toi. Fous-toi à poil, tout de suite. Je suis qu'un putain d'homme de main. Ouais, il m'en bat les couilles, fous-toi à poil. Allez, dépêche-toi, plus vite. Fous-toi à poil. Comment ça, fous-toi à poil, wesh? Déshabille-toi, enlève ton haut. Non, enlève juste ton haut. C'est une sécurité. Ah, non, ne tape pas. Écarte-toi. Voilà, attends, lève-toi. Tourne-toi, lève tes mains. Mets-toi là, face, comme ça, voilà. Voilà, allez hop. Je l'ai ligoté les pieds et les mains. Il bouge pas. Il fait le truc, il fait un truc. Il te le dit et tu le butes, ok? Garde-le ouais, bien. C'est bon. Garde-le ça, bien. Fais un saut. Ouais. Pas toi là qui est ligoté. Voilà. Garde-le bien. Hein. C'est toujours la même radio. Il te dit un truc, tu l'allumes. C'est vas-y. Vas-y. Bon, t'as compris alors. Hein. Moi, c'est vraiment très, très pas cool. Hein. Attention. Hein. Se prends juste le Coca-Cola parce que c'est un peu soif. Merci, c'est gentil. Oh ouais, j'en ai besoin pour moi. Et est-ce que c'est. Je pourrais prendre un peu de pain ou pas? T'as le droit? Pas de faire foutre. Ne parle pas comme ça. Regarde, je te les prends. Arrête de bouger. Non, moi, ça me fait un peu peur pour prendre. D'accord, je vais prendre ton nom. Mais t'inquiète, je suis pas un bâtard, je vais quand même te donner une bouteille. Et un pain. Putain, est-ce que je me trompais? Tac, je t'ai donné une eau. Donc tu pourras boire. Et je te donne un pain. C'est bon? Ça te suffit? Mmh. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, vas-y. Hein. Du coup, tu me dis radio quand on se doit le. Ok, vas-y. Est-ce que vous laissez pas son nom, hein? Regarde ce que c'est dans les bains. C'est pas ce que c'est, je crois que c'est des bagues, mais pour toutes les bains. Pour tous les doigts. C'est pas à quoi ça sert. Attends, je vais essayer. Je vais essayer là-bas à quoi ça sert.
On est toujours à radio les boys, vous inquiétez pas. Vous prenez pas d'Odel avec vous du coup? Dodo. Ok. Le papier aussi. Oh, tout droit, tout droit. Bon, tu préfères quoi? Tu préfères la massette ou la géante bague? Oh, y a une sortie. Hein? Tu préfères quoi? Non, mais c'est une question. Eh oh. De quoi? Je préfère quoi? Tu préfères la massette ou la bague? La sorte de bague. C'est une bague pour tous les doigts, c'est pas comment ça s'appelle. Ouais, je te pisse au cul là. Ah bon? Tu veux quoi toi? Crasseux là, allez, casse-toi là. Tais-toi. Casse-toi. Ok. La crasseux là. Je vais te péter dessus. La crasseux. Tu vas voir ce que ça fait. Tu vas ce que ça fait. Sale chien là. Ça c'est bien pété dessus. Attends, regarde ce qu'on va prendre. Tac. Oh les kids, dégueulasse. Tiens, je te mets un liquide dégueulasse dans la bouche. On appelle ça de la pisse. Ouais, je te crache à la gueule, ça, chien. Bah non, t'as... là tu pisses sur le seau, tu pisses pas sur moi. Hein. Donc tu pisses à la gueule, là. Hein. C'est pas très... Tac, je vais te prendre. Oh. Qu'est-ce que ça pourrait te faire? Oh regarde, je vais te pincer les tétons. Tire-toi là. Ouais t'inquiète, je suis en train de lui passer les tétons. Il passe un très mauvais quart d'heure. Yo Bigness, on arrive. Bigness, je sais pas ce que c'est. Vous avez là... besoin de quoi là? Ah là du coup là j'ai pas le choix, ils ont un de mes gars ces fils de pute là. Donc, ouais là, mais c'est comment on procède là? Là du coup je vais les faire revenir devant là, ils est entre guillemets, bah ça me fait chier de dire ça, mais hein, je vais devoir les échanger contre les O'Neill, tu vois. Vas-y, reste pas loin, boy. Par contre, je vous dirai après, ok? Ce qu'on va faire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est, au pire, ce qu'on peut faire, c'est vous les ramener pendant qu'ils... Dans sa salle, ça, hein. Oh, t'as mal. Bon, ok. T'es là? Je les rappelle. Ouais. On va gérer le truc, restez pas très loin, là, ça vous encore vu si ça part en couille. Vas-y, on reste pas loin. Tout au départ loin, au pire ce qu'on peut faire, c'est que dessus. Dès qu'il... Arrête de bouger. Dès qu'il ramène ton collègue, on peut cavaler les braquets d'où, derrière. Tu vois ou pas? Moi je vois, c'est... Ouais, au pire quand il reparle toi, si quand allez, il reparle... Allez sécuriser votre maître vous les gars. Il me rappelle là, il me rappelle. Il y a un mec à nous. Il me rappelle là, je décroche. Ah, tu vas regretter ce que t'as fait. La fin de moi, tu vas regretter. Et arrête de twerker là. Sinon on va péter la gueule. Apparemment ils vous ont vu les gars. Et ils veulent que vous venez soi-disant dans l'hangar parce qu'ils savent très bien que ça va partir en couille, tu vois. Dis ce que t'as dit. Il y a juste qu'ils ont juste vu notre voiture et on est parti. Arrête de t'accoupir s'il te plaît, t'es bien fort. Ils l'ont vu parce qu'on s'est taillé, tu sais. Ouais, on est d'accord, c'est. Et comme j'aurais dit, en plus j'aurais dit quoi, j'aurais dit de toute façon, ok vous avez un de mes gars, mais moi j'ai trop O'Neill devant ma gueule. Donc si vous faites du mal à mon gars, je bute les trop O'Neill. Et ils me sortent quoi? Mais on s'en bat les couilles des O'Neill. Et dans ce cas-là, vous en battez les couilles. Bah pourquoi ils mais... prennent des... Pourquoi voilà. Ils font tout ça, tu vois. On est tout à fait d'accord, c'est pas logique leur truc, on est bien d'accord. Ouais, en plus nous on leur parlait un peu, tranquille,
pour certains poids, pour essayer de trouver le poids de GoFast et tout, sauf que c'est des putes, quoi. Ah, d'accord, c'est clair. Ouais, on les a pas sortis. Donc là, ça va dire que ça m'a dégoûté un petit peu, là, tu vois. Donc, Oh, toi, t'es intelligent. Bah, là, je suis perplexe, je suis perdu, là. Je vais être honnête, tu vois. Qu'est-ce que je te raconte, le tracé ? Oh, vas-y, raconte-moi une histoire. Ouais. J'ai pas d'histoire vas-y. À te raconter. Bah, tu veux raconter quoi ? Attends, je te lève. C'est pas, t'aimes pas te voir comme ça, je te lève. Tac. Je te lève. Ah, putain. Je te lève. Tac. Voilà. Oh là là. On ne le fait pas à moi. Hein. Dis donc. Quoi ? Quoi ? Est-ce que tu peux bouger là ? Essaye. Non, mais non, je peux pas. Tu m'as ligoté. C'est possible. Ouais, t'es sérieux ? C'est vrai. C'est ligoté. Ah, t'es vraiment un débutant. Voilà. Attends. Tu crois que ta torture de me pincer les tétons, ça va me faire mal ? Voilà. T'as des beaux yeux bleus gris, t'as des yeux gris. Par contre, t'as dégradé, il a été fait au sécateur ou c'est comment ? J'ai pas les yeux gris, j'ai les yeux verts. Non, je les ai. Ah ouais, c'est vrai, t'as les yeux verts. Mais sinon, t'as un dégradé, il a été fait au sécateur. C'est bien, c'est cool. Bon, les pouilles, ça se passe comment du coup ? Et vous espérez quoi, y a me garder qui fait chaud avec nous là. Bah, toi, il a pris une balle dans le genou, lui. Je sais pas ce qu'il a. Ah, attends. Si on doit mettre le coup de massette, en gros, je te tue. Ok, bah vas-y, fais-le maintenant. Si t'as des couilles. Vas-y, viens, fais-le maintenant si t'as des couilles. Non. Vas-y, viens. Non. Petite bite. Bah alors ? Bon, attends, c'est Bayonne. Ferme ta gueule. Ouais, je vais aller rappeler. Du coup, là, c'est juste, apparemment, ils vous ont cramé. Vous êtes, ils vous ont cramé ou pas ? C'est pas vrai, non, c'est faux. Non, c'est faux. Absolument okay. Faux. Ouais. Ok. Donc, je les rappelle, ok ? Je leur dis que vous êtes partis et qu'on fait l'échange, ok ? Et tu dis qu'on a rien à foutre d'eux et qu'on a eu la mettre et que c'est bon, en fait. Ah, ok. Claro, je vais passer le message. Bien vu, Parfait. Boy. Sinon, je vais me chier dessus. Hein. Ta gueule, t'es pas baladé, toi ? Darik, ne reviens pas tout de suite là, ça pue. C'est bon. Hey, écoute, je vais revenir, mais je vais rester loin. Comme ça, si vous avez besoin qu'on vienne vous chercher quoi que ce soit, je suis là. Oui, je vais te dire où te mettre. Je vais te dire où te mettre. Attends. Ah. Bon, regarde, on verra pas proche du sol, aller soper de la go, moi. Hein. Pépette. De toute façon, je prends le sultan noir. Il me rappelle dans 5 minutes, apparemment, parce qu'il y a quelques de ces gars qui est pas là, apparemment. Là. Qui est où ? Qui est pas là ? Ouais. Et quand le papy, là, je lui ai dit, ah, tu fais encore malin, alors qu'on vient de me dire, tu t'es pris une balle dans la jambe, c'est marrant, ça c'est parlait plus, tu vois. Ouais. Si, tiens, ça désespère, là. Il est solide le papy. Ouais, on est d'accord. Oh putain. Bah, du coup, ils vous ont pris. Je vous tiens au courant dès qu'il me téléphone. Oh putain. Ouais, c'est vrai. Vous êtes le gros truc. Vraiment, c'est ce qu'on n'est plus votre nom. Mais c'est. T'arrives quoi ? Vas-y. L'autre, il est vraiment ancien, hein. Il me manipule. Ta gueule. J'ai une question. Tu peux... Attends, ils étaient calibrés comment, les gars ? Tu peux te dire ? Comment tu veux que les calibres ? Que les 3 calibres. 3 calibres ? Ouais. Ouais. Faudra qu'on m'explique. Les pistons, comment les filles ? Ils ont toujours pas. Hein. Ouais, c'est bon. Quoi ? Je comprends rien à ce que tu racontes, mais Articule. Maison, on est dans je te crache à la gueule. Ta gueule. Écarte-toi. Il crache à la gueule, mais dis-donc. Ah, tourne-toi, hijo de puta. Tourne-toi. Je peux pas, attends, je vais tourner. Ils sont où les autres ? Ok. Voilà, alors, regarde-moi bien.
Dis-moi, c'est qui ton fournisseur? J'en sais rien, je suis quand même demain, je vous l'ai dit. Tu sais très bien qui est ton fournisseur. Dis-moi qui est ton fournisseur. Je suis qu'un putain d'homme de main. Arrête de pointer votre tasse. On m'a dit viens, attends. Je suis venu, c'est tout. On m'a dit conduis la voiture, j'ai conduit. C'est quoi ton nom? Donne-moi ta. Est-ce que t'as ta carte d'identité sur toi? Tu crois que je me balade avec ma carte d'identité ici? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Michel. Ok, il ment. Allez, hop, il se fout de ma gueule. Viens, donne-moi ta petite machette là. Voilà, c'est bien. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom, il t'a dit? C'est quoi ton nom? Oh, ton putain de nom. Je m'appelle Karim. Karim, comment? Khanez. Tu prends beaucoup de temps à répondre. Hein. Karim Khanez. Il y a comme l'impression que tu mens. Ouais, moi aussi. Attends, écartez-vous tous. Vas-y. De toute façon, il me notait pour rien faire. Hein. Oui, c'est une belle photo à quelqu'un. C'est. Ah oui, en vrai. Dessus? Non. T'as un carton l'ONIL. C'est vraiment con. C'est quoi ton nom? Karim. Karim comment? Khanez. T'es sûr? Oui. Non, c'est pas ça. Oui. C'est quoi le nom de ton fournisseur? Je sais rien, je te dis, je suis un homme de main, on m'a dit conduire la voiture. Comment ça, homme de main? Dis-moi, c'est quoi ton job exact? Oh, c'est quoi ton job? Je te dis, on m'a payé pour conduire la voiture pour faire ça, c'est tout. Ah, ok. Du coup, ça veut dire tu connais pas les noms de tes partenaires? Ah, je m'en fous, je touche mon billet, je fais ce que j'ai à faire et puis je me casse. Ah, ferme ta gueule. Tu touches combien? Ils m'ont payé 10 000. Tu te mets la passette sous la gorge. Tu touches combien? Vous vendez où? Vous vendez ils m'ont payé 10 000. Moi, j'en sais rien, où est-ce qu'ils font, Ils m'ont dit, ils m'ont dit ils ont besoin d'un pilote, je suis venu, c'est tout. Et pourquoi Ah là là, c'est vraiment con. Écoute, ah, vous avez vraiment pris le mauvais là. Maintenant, tu vas me dire c'est quoi le nom de ton fournisseur? Mais j'en sais rien. Putain, on répond. Comment ça se fait? Je suis à la même position tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin, vous me dites. Ok. Que je t'oblige. J'en sais rien, mec. On m'a payé pour piloter une voiture, j'ai fait mon job. 10 000 dollars. Attends, bougez pas, je vais appeler son ref. Tâche qu'il y ait quoi, qu'il va lui couper un doigt, comme ça il pourra mieux réfléchir. Au pire, un tétot. Mais non, c'est des affaires de coup du téton, il a pas mal. Bah là, il était gentil. Il va devoir passer à la manière forte. Okay. Du coup, Big Ness, ça se passe comment là? Ton mec là, c'est quoi son grade? Pourquoi il rigole ses rouilles, putain? Il est au téléphone. Ça marche. Dis-moi, c'est qui ton fournisseur? J'en sais rien. C'est qui ton fournisseur? J'en sais rien, je te dis. La manière est gentille, on va passer à la manière un peu plus méchante. Fais ce que t'as à faire, je te dis que j'en sais rien, mec. On m'a payé pour conduire une voiture. Sacrément con. Et on t'a payé combien? Tu veux prendre une balle dans la tête pour dire un mot, ça? On t'a payé combien? Voilà, mais si je le savais, je vous le dirais, j'en sais rien. Je vous mettez, je sais pas, vous le faites. Tu sais très bien, je travaille pas avec des gens que tu sais même pas c'est qui, donc... Ok, allez hop, donne-moi ta machette. C'est la bassette. Vas-y, t'es prêt, c'est de la bassette. Fais, donne-moi ça. Ouais, vas-y, t'as un bébé d'avant, t'es prêt? 1, 2, 3. Et je vais poser une question, ok? Ferme ta gueule, toi, hijo de puta, va. Moi, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, attends. Oh, bah, c'est bon, on va faire d'un. Tu es quel grade? Et me mens pas. Donc là, je. Parce que je sais très bien la réponse. Je sais même pas quel grade tu es. Putain, tout ça, c'est bête quand même. Dommage. Tu ne retournerais pas au téléphone là. Dis pas un petit conducteur engagé. Non. Toi, tout le monde. Ouais, du coup, je parle à la radio. Genre là, ils m'ont sorti quoi? Il a quel grade ton gars dans l'organisation? Le truc qui carrément rien à voir avec ce qui était prévu de base, tu vois? Allez. Oui. Du coup, j'ai pas de raison à te le dire, tu vois. Il me fait là, je te demande gentiment. Je crois que je vais pas d'être le plus méchamment, tu vois. Sérieux, écoute, okay. Bah fais ce que t'as à faire. Ta carte si tu en gros, il fait quelque chose à mon gars, je te dis que les trois onils ils en parlent pas comme ça. T'as un téléphone? Ah oui. C'est n'importe quoi, ces gars-là. Mais oui, mais qui. Il y a un cartel qui tape sur des gants comme ça, H24, là, c'est des broods, là. Et après, genre, comme. N'importe quoi, mais. Écoute, par. Ça va, ton téléphone. Mais du coup, là, il vaut trop jeu, ou pas?
Ah bah apparemment ils vont tirer l'information à mon gars. Ils vont essayer de le faire parler, tu vois. Mais je sais très bien que mon gars il va pas parler, tu vois. Non, parce qu'en plus, de base, ils proposent un échange, on accepte l'échange, et maintenant, du coup, ils veulent se tirer des informations à notre gars, tu vois. Eh, les boys. C'est ton téléphone, il y a un bouton F7 là, ici, là. Regarde. Non, tu me donnes tes cartes de SIM. Ta SIM, ta carte de SIM. Et après, je te donne. Écarte-toi, parce que. C'est pas de ma gueule, ce bâtard. Tiens. Non, mais je savais pas, gros. Comme ça, après, il va tout crasser. C'est bon, t'as vu, dis-moi merci. Quelqu'un reçu ou pas, c'est moi. Ah, si, c'est bon, je l'ai eu. Attends, faudrait mettre toi. Comme ça il va tout crasser. Ah, déjà j'ai une information. Bon, nous on se casse, les boys. C'est quoi ça, non? On va retourner dans notre quartier. Travaille au bénis. Faites vos bails, les gars, tranquille. Ah, c'est terrible ça quand même, tu travailles au bénis. Oh. C'est pas vraiment con. C'est à cause de toi qu'on paye aussi cher. C'est mieux dans le nord, hein. Tu me dis, c'est mieux dans le nord, hein. Avec les prix et tout. Et c'est qui 60-60? J'en sais rien, tu crois que je connais les numéros par carte? Ferme ta gueule, c'est qui? 60. Il t'a dit il y a 30 minutes, salut, bah écoute, tu peux passer, mais j'ai un problème, mes frigos sont vides. C'est qui? J'en sais rien. Oh là là. Mais tu crois vraiment que je connais les numéros par carte? Ah, attends. Tu m'as menti là. Attendez, laisse-moi parler, s'il vous plaît. Tu sais que tu m'as menti là. Et j'aime vraiment pas ça qu'on mente. C'est quoi ton prénom? Je te laisse une dernière chance, allez. Je l'ai sous les yeux ton prénom. Allez. Si allez. Si tu sais, j'ai pas besoin de te le dire. Alors. Ferme ta gueule et dis-le ta propre bouche, la con de allez. Ta mère. Sinon la prochaine c'est dans ta tête. Ouais, c'est non, je t'emmerde et je te pisse à l'arrêt. Ouais. Okay. T'es con ou quoi? Fais tout rien. Mais ce mec c'est vraiment un trou du cul. C'est qui Serge? Ouais, tu vas voir le trou du cul. Espèce de bouffon, va. Ouais. C'est qui Serge? Je sais rien. Allez. Si c'est un teubé en ville. Attends. C'est toi un teubé. Non, lui vraiment. C'est vraiment bouffon. Après c'est un détroit. Ferme ta gueule, tu vas. Attends, reste, on a besoin de toi. Non, attends. Tu sais que là tu te mets dans la merde. J'ouvre tes contacts. Ah, il y a un problème avec le contact. Ça vous dit pas, on le coupe un doigt vite fait pour la flèche la mémoire. Ouais. Non mais venez, on le met sous coke comme ça, il va tout crasser. Il va être stone. Non mais déjà c'est bien, j'ai le nom de son gars, j'ai son nom et je sais où il travaille. J'ai envoyé ça à quelqu'un, attends un peu, bouge pas. Faut le doper, vas-y, je vais préparer tac, on va le doper. Tac. Tiens. Attends, viens de m'envoyer un message sur ton numéro. Ah bah la cellule, tu vas être comme une mule. Non, attends. Ça rime. Avale. Voilà, c'est bon, t'as avalé la cellule. Du coup, tu vas être dopé normalement. Si vraiment t'es un mec bien et tout. Parce que non, il y en a, ça fait pas vu que leur organisme font que c'est. Que non, et ça leur fait rien. Non, il y en a, ça fait pas parce que c'est trop du cul. Ouais. C'est ça. C'est quoi ton nom de famille? Oh putain. Il est faible. Quoi? Ah, c'est bon. Non, t'inquiète. Pourquoi les parterres? Ah là, j'ai lu. C'est quoi ton nom de famille, Nas? Réveille-toi là. Bon, ça va mieux. Alors, du coup, vas-y, pose-toi les questions, tu vois, ça me m'immerser. C'est quoi ton nom de famille? J'ai rien à vous dire, parlez-vous. Ah, mais non. Attends, je vais reposer la question. Écoute. C'est quoi ton putain de nom de famille? Tire. Je veux pas blaguer. Voilà, tire. Voilà, je colle ma tête au canon, tire. Et vraiment, voilà. Je vais tirer. Tire pas, on a besoin de lui. On a besoin de lui, il dit rien, c'est un trou du cul. C'est quoi, puta? Putain, je vais te mettre un éclosement de tête là, dans ta grosse tête. On en met plus ou pas? Moi, je. Personne, moi, je lui dis couper un doigt, ça va l'afficher un peu, juste un tout petit doigt. Bah, il est déjà sous coke, là il est dopé. Mais non, mais je crois que ça lui fait pas effet. Attends, je vais prendre la sauce, je vais aller dans les toilettes. Pas, tu... tu vas goûter caca de papy, quoi. Il y a Mano, j'entends des gens là, non? Attends. Prends ton arma. C'est terrible ça quand même, hein.
bien toutes les plugs. Hein. Okay, tu t'as tout envoyé. Moi, attends. Claro, il y avait un qui se levait en haut. Et les Armand, on est sur quelle radio là? Moi, attendez. Surveillez-le, on fera après. Il y a la RFA qui m'appelle, surveillez-le. C'est, il y a voilà. Ouais. Dis comment il s'appelle. Ouais, je sais pas, j'ai un mec qui s'appelle Nas qui travaille au Vénus. C'est gentil ça. C'est bien. Ah, c'est vraiment con. Du coup, là, c'est quoi notre fournisseur? Et comment ça se fait que vous faites des prix aussi bas? Comment ça s'appelle? Le historique de messages. Quoi? Quoi? C'est quoi là? C'est quoi le nom de ton fournisseur? Et pourquoi? J'en sais rien, je te dis. C'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est le seul bien. Ouais, je fais juste un petit tour que. Ah là là. J'ai été, viens là. Ouais, mais bon. J'ai quelques questions à lui poser. Non, il se porte très bien. Non, non, ferme. Il va t'appeler. Ah là là, c'est con. Hein. Ah c'est con, t'as pas de couilles, tu peux pas tirer. Tire, viens, tire. Mets-en-moi une, viens. Mais tu sais qu'on t'en met une, je te lève pas toute ta vie en fait. Bah oui, je sais très bien, mais moi je porte mes couilles. Voilà. Non, t'inquiète. Ouais, mais tes couilles, t'en auras plus dès que tu vas. Ouais, bouger. Je sais très bien, vas-y, fais. Bon, ok, attends. Quand tu passes ta carte SIM, t'as le numéro de ton RFU ou pas? Bigness, t'as son numéro ou pas? Ouais. Tu vas l'appeler. Non, au pire, appelle-le, tu te fais passer pour lui. Mais non, tu te fais passer pour lui. Tiens. Ok. Tu l'appelles, je regarde bien ce que tu fais, hein. Et je te braque. Tu l'appelles et tu t'engages une conversation normale avec lui, tu lui dis que tout va bien, ok? Tu lui dis que t'as réussi à t'enfuir. Allez. Et tu dis surtout pas où on est. Tu dis surtout pas où on est, sinon tu prends une balle dans la tête. Allez, appelle-le. On regarde bien ce que tu fais. Ok, mais on regarde bien ce que tu fais, hein. Et pense bien, tu dis pas on est. Mets un billet d'un carte de SIM dans ton téléphone, mets-la bien. Ah ouais, attends. Ah, c'est quoi ce délire? Pensez bien surveiller les alentours, hein. Allez, mais restez en haut. Surveillez sur le balcon. Asseyez-moi, bah alors faites discret. Et pourquoi sur le téléphone, la touche reset, ça marche pas? C'est quoi cette connerie? Ah, parce que faut que tu dans l'application avant F5. C'est d'abord, faut que tu l'utilises, tu vois. Et après, tout va dans l'application que tu penses. Ah, mais je l'ai pas du tout dans mes poches. Ah. Je déconne pas. Vrai, c'est pas toi qui l'as. Non, il y a les points qui vérifient. Ah, mais j'ai vu que tu me l'as donné, mais je l'ai pas dans les poches. Pff, oh là là. Va dormir. Non, ça marchera pas. Oh là. T'es sûr? Ouais, ça marchera pas. Ça fait ça? Ouais. J'aurais bien aimé qu'il t'appelle, mais en fait, il y a un petit problème de carte SIM en fait. Et le problème, c'est que je lui ai passé, mais elle est tombée pareil, je sais pas. Pourquoi je peux pas la remettre? C'est quoi ton plug dans le mécano? Un mécano. Okay, on va c'est quoi ton avec ton blague, je suis employé. C'est ok. Je vois les 3 nuls devant. Hein. Ok. T'as de l'argent là sur toi? Okay, j'ai rien. T'as combien là sur toi? T'as rien? T'as pas d'argent sur toi? J'ai bon, prends-le bien. Ok. C'est quoi ton grade au bénisse? Je suis employé. Ok. Vas-y, prends-le bien sur ton épaule et on y va. Ok, on y va. Ah, mais il y a le prends-le bien. Il y a le plat en otage. Oui. Et allez.